reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je me suis levé ce matin et je me suis mis à réfléchir, à penser à beaucoup de choses. Je me suis dit, mais attends. Combien de stars que j'ai connues nous ont quittés? Et oui, je me suis posé cette question. Je viens de laver la douche, hein. J'ai checké la douche comme je dois. Mais même pendant que j'étais en train de laver la douche et faire toutes ces choses, ma tête ne faisait que penser à cela. Je me disais, mais ah, il y a eu des stars ici, des gens qui avaient des millions de fans, des suivis, beaucoup de personnes derrière eux, mais ces gens-là nous ont quittés. Quelle est la raison de notre existence sur la terre? Ça, c'est la question que je me posais même aussi. Je me suis dit, mais ah, nous sommes sur la terre ici. Quand vous naissez dans la souffrance, les problèmes, toutes sortes de choses. Vous battez jusqu'à vous arriver à sortir la tête du trou. On va dire que vous réussissez. Vous devenez quelqu'un. Vous êtes bien positionné. Et puis, après, vous disparaissez. Comme vous êtes venu. Et quand vous quittez la terre, les gens vous pleurent un moment. Et après, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si vous n'avez jamais existé. Moi, je ne comprends pas, sérieusement, moi, je ne comprends pas. Je regarde tout ça jusqu'à, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Qu'est-ce que nous devons retenir de notre passage sur cette terre? Que devons-nous retenir? J'ai connu beaucoup de célébrités, mais qui ne sont plus de ce monde. S'il y a bien une célébrité que j'ai connue qui dépasse toutes les célébrités, c'est Michael Jackson. J'ai connu Michael Jackson, nous tous on dansait sur ce son ici. Aïe 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 aïe. Ouh. Happy to. Tiens. Un bonjour. On était là-bas. Et puis on a entendu que Michael Jackson est décédé. Il dit ah. On ne croyait même pas. C'était un choc, hein? Ça nous a tous choqués. Et puis c'était dans une période où je venais de télécharger tous ces sons. Il y avait tous ces sons de mon portable. J'ai regardé ça jusqu'à... J'étais étonné. J'ai vu à la télévision comment les gens pleuraient. Comment les gens sont tombés en transe. Comment ces fans sont restés vraiment sous l'émotion pendant plusieurs semaines. J'ai regardé ça jusqu'à... J'ai dit waouh. Waouh. Je pense qu'il est mort à 50 ans, non? Eh bien oui. À 50 ans. Une personne qui est riche, qui a la gloire, il meurt à 50 ans. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous ne trouvez pas. Les célébrités qui ne vivent pas longtemps. J'ai aussi connu une autre personne du nom de Abobolet. Si vous ne connaissez pas, c'était un artiste coupé décalé. Il chantait de la musique coupé décalé, il dansait même bien. Quand j'ai regardé le gars, le gars il a de l'avenir, il a de l'avenir. Un bon matin, lui aussi, boum, on nous annonce qu'il est décédé. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis choqué. Donc, il y a Michael Jackson d'abord, il y a deuxième Abobolet. Je parle des célébrités que moi j'ai connues, qui ont fait mon enfance, quoi. Vous voyez, non? Et puis, après ça, je pense qu'il y a
Il y a un autre artiste qui s'appelle Hérisson de Zorro. Tous les artistes dont je viens de citer précédemment, moi je les avais jamais vus, je les ai jamais vus en vrai, dans la vie réelle. Mais Hérisson de Zorro, quand il était dans sa pleine gloire, là où tout moussait pour lui, où tout marchait pour lui, là, moi je l'ai vu. Un jour j'étais vu, il avait été invité dans la ville où j'étais. Ouais, quand il est arrivé, le monde qui était derrière lui. Il se lève de sortir d'une voiture extraordinaire. Il dit qu'il est sorti de la voiture, non. Il s'est arrêté comme ça. Il regarde la foule. Lui-même est choqué par l'influence, par le succès qu'il a. En fait, qu'il avait à ce moment-là. Ouais. Je l'ai regardé jusqu'à. Il dit, tchi. Tout ce comme. C'est ça la célébrité. Et moi-même, j'étais choqué. J'étais la première fois de le voir. Il était grand détail. Il avait une boucle d'oreille quelque part. Je l'ai regardé jusqu'à. Il dit, tchè, ouais. Être star, c'est quand même bien. Hein. Être connu, être célèbre, c'est quand même bien. Mais à un moment donné, on ne l'a plus vu. Il n'avait plus tellement de succès comme avant. Et puis, un bon matin, on a appris qu'elle est décédée. Quand il est parti, il dit, waouh, ça m'a étonné. Encore, ça m'a étonné. Mais avant lui, je pense qu'il y a une autre star qui était partie. On a même en parlé ici sur Sorbonne durant un moment. Il s'agit de qui? Qui connaît bien cette star encore du coupé décalé qui était numéro 1 de le coupé décalé? Ha! Il s'agit de DJ Arafat. DJ Arafat, quand j'ai commencé à l'écouter, il n'avait pas tellement de succès que ça. Au moment où j'ai arrêté de l'écouter, c'est quand j'ai décidé de donner ma vie à Dieu et puis abandonner toute cette histoire du monde, la musique pour femmes, toutes ces choses parce que ça ne m'arrangeait plus. C'est quand j'ai arrêté de l'écouter là, c'est là quelques années plus tard, il a commencé à avoir du succès. En fait, quand j'ai arrêté d'écouter la musique pour fans en général, hein, que ce soit le R&B, le hip-hop, parce que moi, j'étais plus les sons américains et puis les sons japonais et chinois. Mais je ne comprends pas, ils s'entendent avec ça. Parce que j'aimais bien écouter les choses dont j'ignorais le sens. C'était plutôt chic. Donc, quand le gars là, il a commencé à avoir du succès, bon, moi je l'ai vu, je voyais comment il avait d'influence sur la jeunesse. Et il a fait une année de succès, 2 années, 3, 4, 5, 6, 10 ans de succès, plusieurs succès, jusqu'à moi-même, j'ai quitté la ville où j'étais là. Je suis venu maintenant le trouver à Abidjan. Et il continuait son show, il continuait le buzz, on le voyait tout le temps créer de nouveaux trucs pour pouvoir avoir le monde derrière lui, les clashs, les buzz. Les ceci, les cela, on le voyait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Bon, nous on regardait ça comme ça. Hein. En tout cas, moi je regardais ça comme ça. Et puis bon, souvent il faisait des trucs de comédie, ça nous faisait rire ici. Mais on était là jusqu'à ce qu'un jour, on apprenne qu'il a eu un accident. Je pense que c'est le 12 août 2019. Non. Je pense que c'était un truc pareil. J'en ai parlé. Avant que son accident n'arrive, moi je dormais la nuit. Je m'entends, je vois un truc du genre, quelqu'un est mort. Ouais, non. Et puis, les gens qui sont autour de cette personne-là sont en train de se bagarrer pour pouvoir prendre ses biens. Certains veulent prendre la télévision, d'autres veulent prendre les chaises. C'était bizarre. Je dis, mais ah, ça, c'est quoi ça? Quand je me suis levé, je suis monté au balcon, et puis j'étais là tranquillement, j'étais calme ce jour-là. J'étais vraiment. Quand je regarde le monde là, je pense que vraiment, moi je vais tout faire pour ne pas courir après les choses de ce monde. Je vais tout faire pour ne pas courir après les richesses de ce monde, l'argent. Parce que à quoi ça sert de se battre? À quoi ça sert de salir une autre personne pour avoir toutes ces gloires, toutes ces choses? Et je parlais ici, ce jour-là, j'étais vraiment très calme, très vraiment calme. Quand? Le même jour, là, aux environs de 6 h du matin, c'est là que j'ai appris que le monsieur venait d'avoir un accident. Hein? On dit, oh, c'est comme d'habitude, souvent il fait des accidents, il se lève.
Mais quand j'ai vu sa femme parler sur les réseaux sociaux, je me suis dit que bon, vraiment, il faut que je fasse une vidéo quand même afin que mes frères et moi puissent prier pour une personne qui vient d'avoir un accident. Ce qui m'intéresse, c'est la personne, c'est pas ce qu'elle fait. Quand quelqu'un est en danger, là, il faut secourir la personne. Quand il y a le feu, c'est le voisin. Même si le voisin, c'est son pire ennemi, va éteindre le feu là d'abord avant de régler vos problèmes. Et je priais. J'ai demandé à tout le monde de prier. Après, on a vu le monde à l'hôpital, là où il était. Et aux environs de midi, je pense, on va dire au journal télévisé, on nous a annoncé son décès. Hein? Je n'y croyais pas. D'abord, quand il a eu un accident, il était tombé, il était couché là. J'ai dit, ah, un gars. On disait qu'il était orgueilleux. Il faisait le bel sur les réseaux sociaux. On voyait comment il avait de l'influence. On voyait comment il ne se faisait pas marcher là-dessus. Mais maintenant, il a eu un accident et il est couché. J'ai dit, j'ai vu du gars, il était couché comme ça sur le sol, sur le goudron. Il était habillé en blanc. Ça m'a étonné. J'ai dit, vraiment, l'orgueil, c'est pas une bonne chose. L'orgueil, c'est taper la poitrine, même si c'est pour faire le buzz, hein. C'est pas une bonne image qu'on met sur soi. Et je regardais cela comme ça, je regardais ça, je regardais sa moto était une autre chose, bousillée comme c'est pas possible. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, vraiment, moi, la moto, je ne l'aimais pas avant, mais ça là, vraiment, c'est encore plus grave. Et voici comment le cas, hein. Ils ont annoncé sa mort. J'ai fait des vidéos pour vous montrer ce qui se passait ici, par rapport à tout ça, vous nous avez bien suivis. Il y a eu beaucoup de réactions. Mais au final, que se passe-t-il? Il n'est plus de ce monde. Moi, j'ai cru que c'était encore un baise. Hein? J'attendais. Mais il n'est plus de ce monde, apparemment. Apparemment. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on a un peu parlé de lui. Même, je pense, plus de 2 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui sont restés, qui sont autour de lui, qui étaient autour de lui, bon, se sont séparés, c'était soit à la gauche, d'autres à droite, c'est mélangé, même pour gérer son business, c'est bien un problème entre eux là-bas, matin, midi, soir, c'est clash, ils insultent, que voulez-vous? Quand la tête n'est plus là, le reste, ça la fait quoi? Il y aura maintenant un désordre, ils essaieront de faire tout pour arranger quelque chose, mais. Si ils sont pas mis d'esprit, ça va même pas aller quelque part. Le gars, il était seul dans son désert. Il disait qu'il s'était fait seul. Seul, il se construit, seul, il est arrivé jusqu'à ici. Un peu comme moi. Moi aussi, j'étais seul. J'ai dormi dehors. Dieu m'a délivré seul avec Dieu. Ça arrive jusqu'à ici. Aujourd'hui, nous sommes 50 000 abonnés. Mais vous devez savoir qu'avant d'avoir 50 000 abonnés, il faut d'abord avoir 0 abonné. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu, non? Donc j'étais seul. Vous voyez? Donc normalement, vous qui êtes venu là, vous devez me faire des cadeaux pour me dire vraiment, on n'était pas là. Maintenant, comme nous sommes maintenant plus de 50 000 abonnés, on te donne des cadeaux pour te dire merci beaucoup de n'avoir pas abandonné et d'être venu jusqu'à ici. Ou ben, c'est là les gens créent l'expression aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Parce que en son temps, il y avait trop de clash, trop de querelles, trop de problèmes. Les gens ont boycotté le gars à la fin. Jusqu'à ce qu'il est mort comme ça. Moi, je suis sûr qu'il est mort avec beaucoup de haine dans son cœur. Il est mort avec beaucoup de rage dans son cœur. Seul si Dieu lui donne l'opportunité de revenir encore. Hein. Ouais. Il allait faire sortir un son. Non, non, non. 2 sons. 3 sons par seconde. Pour exprimer combien de fois il a grossi le cœur d'une manière non, que vous ne pouvez pas comprendre. Hélas. Comme chaque soir, fin, c'est fini. Le monsieur, il est parti. Oh! Ouais!
Vous voyez, non? Qu'est-ce que Job disait? Job disait que l'homme né d'une mère, sa vie est tellement courte et sans cesse agitée. C'est comme une fleur, il est comme une fleur. Vous voyez, non? Nous disons, tu nais sur la terre ici, tu pleures. Quand tu viens sur la terre ici, tu pleures. Gay, je suis venu dans un cas. Ça n'a même qu'un mot, ça. Je suis dans un mot de. Regardez le foie qui me foie, ça m'énerve. Parce que l'enfant vient de sortir du foie de sa mère, il est énervé, mais il a envie de tous nous battre beaucoup ici. Mais à un moment donné, il va. Il sera obligé de se calmer. Qu'il veuille ou pas, il va se calmer. Et puis, affronter les réalités de la vie. C'est pourquoi moi, je réfléchis avant de demander à un enfant de mon aller là. Parce que ici, vraiment, c'est pas un bon monde. J'ai tellement souffert de ma vie. Hein. J'ai tellement vu des gens mourir, des gens faire le peur, des gens avoir du succès, les stars, même ce que je dois vous dire que. Je me dis vraiment, comme Dieu a fait chaque chose pour un but, moi je vais envoyer des enfants ici pour un but bien précis. Je ne vais pas me lever comme ça et puis avoir des enfants, 10 enfants, 5, 5 enfants, il y a quoi? Peut-être en quoi? Non. Je ne vais pas envoyer des enfants ici pour souffrir. Non. Donc je vais m'assurer d'être bien à l'aise d'abord et d'être capable de bien conseiller les enfants, bien les instruire selon la parole de Dieu d'abord avant que je décide de me marier et puis avoir un enfant si Dieu le veut. Ouais, non. À cause de tout ce que j'ai vu. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu, toutes ces expériences que je viens même de vous citer là, m'ont montré que la vie n'est pas rien, mais il faut savoir ce qu'on fait ici sur la terre. On dit souvent que hey, la vie est rien, la vie est rien. Non, la vie n'est pas, c'est pas ça. La vie est quelque chose. Sinon, on n'est pas à la voir. Mais le tout se tourne autour de ce qu'on fait de sa vie. Michael Jackson, il chantait, il faisait le buzz, il dansait, il faisait le truc. Mais à la gloire de qui? Qui recevait toute la gloire de ses pas de danse, tout l'honneur? Il adorait qui? Est-ce qu'il se glorifiait lui-même? Est-ce qu'il chantait pour lui-même? S'il chantait pour lui-même, on va dire qu'il ne va plus chercher à avoir une récompense venant de Dieu. Sa seule récompense, ce sera la gloire que les hommes et les humains lui ont donnée sur la terre. C'est tout. Donc devant Dieu là-bas, il n'aura rien. Il n'aura rien. Je regardais ça jusqu'à Jésus dit, si c'est comme ça, hein, c'est que moi, je vais fuir la gloire des hommes et puis rechercher la gloire de Dieu, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si là, on vit au maximum 200 ans, si tu as vu, j'ai vécu 200 ans pour dire merci. Sur après là, ça va naître. Tu meurs pour plus de 1000 ans. Parce que l'âme là ne meurt pas. L'âme vit seulement à l'ascalade, à lui. Quand il vit seulement, il vit pour partir. Donc tu es un peu, tu es à moitié éternel et à moitié. Moi, tu crois même. Voilà. Donc, je regarde ça et je dis, ah, les gens sont venus, ils ont fait le buzz. Les gens les ont applaudis, après ils les ont insultés. Quand tu recherches la gloire de l'homme, l'homme t'applaudit aujourd'hui, demain t'insulte. Donc, ça là, hein, moi je préfère faire tout pour faire plaisir à Dieu. Souvent les gens disent que, oh, je vais vous faire plaisir, les fans. Les stars là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que oh, les fans, j'ai fait sortir un son pour vous faire plaisir. Si tu as fait sortir un son pour faire plaisir à tes fans, les fans vont t'applaudir, ils vont te donner des jets, vont acheter tes CD, tu vas avoir tous les 10 dollars de la planète. Ça fait nez, ça sera seulement ta récompense. Mais quand tu vas mourir là, aïe aïe aïe, c'est là que tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Maintenant, ceux qui auront été intelligents, maintenant qui auront faire de bonnes actions, qui ont eu de bonnes œuvres sur la terre. Ce sont les œuvres-là qui vont parler pour eux. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple Dieu Alpha faisait des dons et il donnait avec son cœur, tu vas prendre ça. Maintenant, vous pouvez maintenant avoir une balance, on va peser. Hein. La voix que l'a reçue venait des hommes là. Et puis, la bénédiction que lui l'attend venant de Dieu en faisant les dons et tout ça, maintenant à mesurer. C'est pour qui qu'elle a mené au ciel.
Maintenant, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Vous allez comprendre que dans la vie, là, on ne fait pas comme ça. Je vous dis que dans la vie, là, on ne fait pas comme ça. Dans la vie, vraiment, si on vous dit que Dieu n'est rien, que Dieu n'existe pas, n'y croyez pas. Dieu existe, soyez bon. Soyez un bon gars. Si c'est un type qui décide d'être mauvais, comme toutes les mauvaises personnes qu'on connaît sur la terre, les Hitler qui ont tué les gens. Mais tu peux aussi choisir d'être bon, comme les gens comme Job, Daniel, Noé. Au temps de Noé, Noé était bon. Ce sont les gens qui ont tiré le regard de Dieu. Ce sont des puissants serviteurs de Dieu. Pourquoi étaient-ils puissants? Ils étaient puissants à cause de la crainte de Dieu qu'ils avaient et le nombre d'ennemis qu'ils avaient derrière eux. Mais malgré cela, ils n'ont pas abandonné la foi. Donc tout ce que vous faites sur la terre, vraiment, faites la part des choses. Si vous travaillez, vous faites beaucoup de choses. N'oubliez pas de préparer aussi votre vie après la mort. La meilleure façon de préparer sa vie après la mort, c'est simple. C'est de faire comme Job. Qu'est-ce que Dieu disait de Job? Allez lire Job chapitre 1, vous allez découvrir. Job chapitre 1, verset 8, vous allez voir ce que Dieu disait de Job. Il lui disait, écoute, il dit au diable, diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Là, tu remarquais. Ce gars-là, c'est un bon gars, c'est un dur. Le gars, il me craint tellement que moi-même, il s'est en tas à lui. Le gars, il est intègre et droit. Le gars, il a la crainte de Dieu et il s'éloigne du mal. Si vous faites ça, juste ça, vous allez gagner le cœur de Dieu. Dieu sera avec vous. C'est ce que vous devez faire d'abord avant de devenir une star, avant de devenir une célébrité. Vous voyez, non? Si à la base vous êtes comme ça et que vous êtes devenu une célébrité après, Dieu n'a pas de problème avec vous. Si ton étoile brille, que tu brilles déjà, on va faire comment? Les gens t'aiment. Mais en tant qu'une star, en tant qu'une personne qui a des gens derrière toi, tu dois être capable de dire aux gens, écoutez les jeunes, vous devez savoir que dans la vie, il faut mettre Dieu dans tout ce qu'on fait. Et quand tu le parles, il faut le parler en esprit et en vérité. Il faudrait que ce soit la vérité. Il ne faudrait pas que ce soit un mensonge. J'ai un gars qui parle de Dieu et puis il fait comme ça. La main connue. Il parle de Dieu, il fait ça. C'est un sataniste, un menteur, un sorcier. Mais il fait exprès. Il faut remarquer là. Vous allez bien remarquer. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent parler de Dieu. Mais allez voir leurs œuvres. Moi, mais je vois beaucoup de sorciers comme ça sur Internet. Ils sont là tout le temps matin, ils sont en train de parler de Dieu. Dieu est comme ceci, Dieu est bon, Dieu est ceci. Mais quand je les regarde là, je vois que ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers même, purs et simples. La sorcellerie pure et simple. Vous voyez, non? Ah, écoutez-moi bien. En tant qu'une star, en tant qu'une personne connue, vous devez vraiment évangéliser, apporter quelque chose. C'est-à-dire semer dans l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que le monde est déjà mauvais, il y a du sale dans le monde. Vous, Dieu merci, vous avez des fans. Vous êtes célèbres. Ah! Dites à vos fans, écoutez les fans. La vie ne se résume pas à ce qui se trouve sur la terre. Il faut préparer sa vie après la mort. Allons au ciel, les gars, c'est mieux. Le temps de ta musique. Si tu es une personne qui est dans la musique, forcément, avant de produire une œuvre musicale, tu vas réfléchir sur ce que tu vas dire dans la musique. Tu ne peux pas permettre que dans la musique, il y ait des injures. Sinon, tu vas détruire le monde par tes injures. Tu vas détruire la jeunesse par les injures que tu vas mettre dedans. Tu as mal les influencer. Si tu mets dans ta musique les filles avec gros fait de cross-face, comme ça, moi-même, je peux mettre ma tête même dessus, même plus. Je ne sais même plus où je suis. Je ne sais pas si c'est dans un autre monde ou bien c'est là-haut. Si tu me montres ça, sache que tu adores le diable. Et tu parles du diable au lieu de parler de Dieu. Eh bien oui, c'est ça. Vous le voyez tout le temps, ils ont été dit, oh, moi c'est Dieu qui est avec moi, c'est Dieu qui gère ma situation. Alors que, dans les clips, vous voyez les fesses, vous voyez les injures, la guerre, les clashs, non. Évitez ça. Ce sont les gens qui ne sont pas avec Dieu, mais qui font semblant de dire le nom de Dieu pour se tenir une bonne conscience, comme on dit ça en commun. Genre pour se laver, quoi, pour se purifier. Mais c'est faux. Beaucoup sont dans l'occultisme, beaucoup sont dans la sorcellerie, beaucoup sont dans les sectes. Parce que c'est ça. C'est ça leur réelle vie. Ou bien non.
Vraiment, faites attention, mes frères et sœurs. Faites vraiment attention. Si vous travaillez, c'est bien. Mais prenez un temps pour semer quelque chose qui va parler pour vous devant Dieu, qui va vous conduire au ciel. C'est comme un homme lui travaille, un chef d'entreprise. Lui finit de. C'est-à-dire, quand il y a la pause comme ça, il mange un peu, et puis à un moment donné, il sort, il casse sa voiture, il met le son, et puis il parle de Dieu aux gens. Il dit, Dieu réel, venez à Jésus, donnez vos biens à Jésus-Christ. Un gars avec sa grosse voiture de luxe, grosse cylindrée, il garde sa voiture après le boulot. Et puis, il parle de Jésus-Christ, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Il parle de Dieu, dit, abandonnez la drogue, abandonnez la cigarette, abandonnez tout. Venez à Jésus-Christ, sanctifiez-vous. Dieu revient bientôt, Jésus revient bientôt. Préparez-vous à aller au ciel. Même la mort existe. Alors, sanctifiez-vous. Un gars comme ça, là, il a tenté de vous décimer aussi. Il travaille, il va avoir son argent, non? Mais en même temps qu'il parle de Dieu comme ça à côté, après son boulot là, ce qu'il est en train de faire là, ça s'appelle aussi s'aimer. S'aimer quelque chose qui va parler pour lui devant Dieu. Ce sont des gens comme ça qui vont aller au paradis même sans wawa. D'ailleurs parce que les gens vont se retrouver au paradis au hasard. Les gens vont se retrouver au paradis au hasard. Ceux qui vont se retrouver au paradis là, ce sont les gens sur la terre qui ont sacrifié beaucoup de choses. C'est-à-dire que pendant que vous allez au marché pour danser, et puis danser les trucs, fêter, taper les fesses des filles, eux là, ces gens ont décidé d'abandonner ces gens des filles et de se ranger. Pendant le temps que vous êtes en train de fumer de la chicha, eux ont dit non, il faut avoir un. Eux ont dit non, le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Donc, comme c'est la maison de Dieu, je ne peux pas me permettre de faire cela. Et ces gens ont fait des grands sacrifices comme ça pour pouvoir être là. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas boire, hein. Ils aiment boire de la bonne bière et fumer de la bonne chicha et tout ça. Mais à cause de Dieu, il faut faire des sacrifices. Et ils ont abandonné cette vie-là. Ils ont abandonné cette vie où on doit boire et s'enivrer. Ils ont abandonné cette vie-là aujourd'hui. Ils se sont rangés. Les gens vont se ranger comme ça. S'ils vont jusqu'au bout, je dis bien jusqu'au bout, hein. Ça va vraiment payer. Je vous assure. Je vous assure. Maintenant, qu'est-ce que ces célébrités dont les citoyens n'ont pas fait? Qu'elles auront dû faire durant leur vie? Vous voyez? La gloire de l'homme, l'élévation de l'homme, toutes ces choses sont éphémères. Il faut à un moment donné mettre pas la terre et puis réfléchir sur comment orienter sa vie afin que, à la fin, là, tout le monde vous applaudisse. Pour dire que cette personne vraiment. Elle a été juste dans sa vie, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le paradis. Même le diable dit que, oh mon ami, ta place, c'est pas l'enfer, c'est fou, gagner temps. Eh bien, oui. Maintenant, vous êtes vivant. Il y a d'autres célébrités encore qui sont en vie. Il y a d'autres qui ont signé des pactes avec le diable. Vraiment, ralliez-vous à Dieu. Ouais, ralliez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard. Et apprenez à faire le bien. Poser de bonnes actions. Si vous travaillez, que vous êtes occupé par le travail, ou les soucis de la vie, et les problèmes, vous travaillez. À un moment donné, là, quand vous avez une pause, criez, même si c'est 5 minutes, et dites merci Seigneur pour tout, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, que ton nom soit béni. Et parlez de Dieu aussi. Si vous parlez de Dieu, et que vous influencez les gens dans le bien, dans le bon chemin, vraiment, ça sera quelque chose que vous allez semer. Dans le ciel. Alors, Dieu nous dit que vous avez besoin de faire d'avoir des trésors dans le royaume de Dieu. Non? Des trésors que personne ne peut voler. Quand tu es un bon gars et que tu fais le bien à quelqu'un, tu te fais un trésor dans le ciel. Qui va aller voler ça là-bas? Qui va aller voler ça? Qui est prêt à faire le bien aller là? Les gens sont prêts à se clasher sur les réseaux sociaux, à s'insulter sur les réseaux sociaux pour avoir la visibilité. Pour avoir la gloire éphémère, même si c'est l'argent, tu achètes une maison tout de suite, l'argent va finir. Tu as besoin encore d'autres argent. C'est-à-dire que tu poursuis l'argent jusqu'à toi-même. Tu as mouru, ton âme sera en train de courir derrière l'argent. Hé, hey, là, t'es où? Là, t'es où? Là, même le diable vient de dire, hé, hey, mon ami, tu as oublié. T'es pas au courant? Il dit, mais ouais, quoi? T'es mort. Le diable va venir te rappeler que tu es mort depuis ce monde. Hey, c'est vrai.
Les gens courent après leurs projets, leurs trucs, en oubliant Dieu. Alors que la mort peut le frapper n'importe quand et n'importe où, n'importe comment. Personne ne sait le jour de son jour. Ça vient, ça vous prend comme ça, vous partez. Vraiment, mes frères et sœurs, que la mort ne vous surprenne jamais. Jamais. Pour que la mort ne vous surprenne pas, il faut être connecté à Dieu. Comment être connecté à Dieu? C'est simple. Vous vous mettez dans votre chambre ou bien dans votre cœur. Vous priez, vous dites, Seigneur, mon Dieu, je suis avec toi aujourd'hui, et demain, pour toujours, en ensemble. Merci pour tout ce que tu fais. Dites-moi de tout ce que tu fais. Amen. Que ce soit en prière. Plus vous parlez comme ça, et que vous dites deux choses encore, même pour saluer Dieu juste comme ça, dans une prière simple de 2 minutes, 5 minutes, ça là, c'est bon. Ça va vous connecter à Dieu. Dieu va vous donner beaucoup de dons. Beaucoup de Dieu va vous ouvrir beaucoup de portes, va vous donner beaucoup d'onction, beaucoup de bonnes choses. Et quand vous lisez la parole de Dieu, ça met vraiment, ça met de l'huile sur la tchèque pour manger ça bien. Vous voyez, non? Et vraiment, faites le bien. Soyez classés parmi les gens qui sont bons, des gens qui sont incorruptibles, des gens vraiment qui ne peuvent pas abandonner leur valeur morale pour de l'argent. Vous voyez? Ça, là, ça sera votre croix. Si vous faites ça, hein, vraiment, vous allez toucher le cœur de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au final, hein, la gloire de ce monde-là n'est rien. Le succès, les gens qui votre nom, vont vous appeler ici, vont vous appeler là, ce n'est rien. Mais, le bienfait fait à une personne qui est en difficulté, là, vraiment, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup même. Ouais, non. Une personne qui est en difficulté, vous lui faites du bien. Vraiment, ça parle devant Dieu pour vous. C'est-à-dire, ça touche le cœur de Dieu. Surtout quand c'est sincère. Quand c'est sincère. Il y a des gens qui veulent faire le bien à une personne et qui filment ça et mettent ça sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde qu'eux aussi peuvent faire le bien. On s'en fout de ça aujourd'hui. On s'en fout de ça demain. Ouais. Ouais. Vous avez vu ça? En tout cas, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mes frères et sœurs, il faut que je vous parle de ça en long et en large ce matin, dimanche, là, avant que vous ne puissiez aller à l'église. Maintenant, allez à l'église. allons saluer Dieu, allons saluer le Seigneur. N'oubliez pas aussi de me mettre dans ma prière. Hein. Priez pour moi aussi. Dites à Dieu, Dieu, il y a ce bon qui veut une grande maison, un grand espace, beaucoup de choses pour faire des bonnes choses encore. Il faut associer sa prière par deux. Priez pour moi comme ça aujourd'hui. Priez pour moi comme ça. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Parce que je viens de me réveiller, c'est chaud. Laissez-moi manger un peu de nourriture ce matin. Et puis, je vais vous faire la prochaine vidéo. Ok, c'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et c'est quoi le prochain?